Salut, salut, c'est encore moi, Amfa Baifadia. Voilà, je viens encore vers vous, mais je suis bonbon, mais je suis bim bim. Voilà, aujourd'hui, je vais parler de la femme vertueuse. Et voilà, une femme vertueuse, c'est une femme qui a de la vertu. C'est une femme qui est honnête, qui est intègre, qui est juste, scrupuleuse, qui est consciencieuse. C'est une femme qui est louable. C'est une femme qui est responsable, qui est digne, qui est courageuse. C'est une femme exemplaire. C'est une femme qui a de la morale. Tout ça, c'est pour la femme. Voilà. Aujourd'hui, force est de constater que les femmes subissent des problèmes, de la violence dans le foyer, même pas dans le foyer, dans la vie quotidienne. Et voilà. D'abord, normalement, toute femme est vertueuse. Et voilà, toute femme est vertueuse. D'abord, dans un foyer, toi, un homme, tu décides de prendre une femme comme ton épouse, ta copine, ta concubine. Tu dois la respecter. Tu dois la respecter. Elle mérite ça. Elle mérite ta confiance. Voilà. Parce que la femme, déjà, elle fait du bien à son mari et non du mal. Voilà. Elle sait garder ses émotions. Voilà. Elle s'applique dans le foyer. La femme, quand vous êtes là, un homme, tu viens le soir à la maison, tu viens trouver que ta nourriture est prête. La femme a déjà préparé, elle a nettoyé la maison, elle a lavé les enfants. Et matin d'abord, elle va laver les enfants, leur donner à manger, le petit-déj, je vais dire, les accompagner à l'école, revenir, aller faire le marché, venir préparer pour toi, monsieur, si tu dois descendre à midi. Tu viendras manger à midi, tu viendras trouver que le plat est déjà prêt à midi. Et le soir, à ta descente, tu dois venir trouver le repas prêt. Tu dois venir trouver, quand tu viens à la maison, que tout est propre, tout est clean à la maison. Ça te dit pas. Et quand tu penses que c'est ta femme seule qui fait tout ce boulot, qui se tape tout ce boulot à la maison, vraiment, tu dois la féliciter. Voilà. Tu dois féliciter cette femme. Elle est à féliciter. Voilà. La femme se lève tôt. Alors, elle se lève alors qu'il fait encore nuit. C'est-à-dire qu'elle se lève très tôt le matin, avant le lever du soleil, afin de prévoir, sa journée. Elle anticipe de bien gérer sa maison et ses affaires. Voilà. Alors que monsieur est là en pyjama et tout. Oui, il va prendre sa douche. Se prépare pour aller au travail. Voilà. La femme est réactive. Donc, les hommes, je vous demande pardon. Prenez soin de votre femme. Prenez soin de votre femme. Qui parle de femme parle de vertu. Qui parle de femme, la femme, elle affronte le travail. Elle est forte, elle est déterminée. Elle ne cherche pas à éviter les choses difficiles à faire. Bien au contraire, elle se fortifie et se prépare à affronter les difficultés de la vie, les difficultés du foyer. Voilà, elle a du discernement. Elle sent ce qu'elle gagne. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Le mot sentir ici est... le mot sentir ici veut dire percevoir. Elle a une capacité de percevoir et de discerner. Elle n'est pas indécise et confuse, mais elle connaît parfaitement les directives qu'elle doit prendre.
Donc les hommes, je vous demande pardon, respectez vos femmes, arrêtez de battre vos femmes dans le foyer, que ce soit dans le foyer, dans les couples, concubinage, copain, copine, partenaire, arrêtez de battre votre femme. Arrêtez de battre vos femmes. Arrêtez de faire souffrir la femme. Les femmes sont vos mamans. Les femmes sont vos mamans. Les femmes, elles s'occupent de leur mari. Elles s'occupent de leur maison. Elles s'occupent de leurs enfants. Sans une femme, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien du tout sans une femme. Donc, les hommes, je vous insiste, c'est pas parce que je suis une femme que je suis en train de dire ça. Les hommes, je vous incite beaucoup à respecter vos femmes, à respecter votre copine si vous n'êtes pas marié, à respecter votre partenaire. C'est très important dans la vie. Parce qu'une vraie femme, elle se lève tôt, elle puise l'eau de son mari. Une vraie femme, elle se lève tôt, s'occupe de son enfant. Une vraie femme s'occupe de sa maison. Une vraie femme se soucie des problèmes de son mari, se soucie des problèmes de ses enfants. Une vraie femme rit quand elle a mal au cœur. Une vraie femme, elle sourit quand elle a mal au cœur, son cœur saigne. Une vraie femme, elle donne une bonne mine même quand ça va. Les femmes sont nos mamans, les femmes sont vos mamans, vous les hommes, respectez beaucoup vos femmes. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, c'était encore moi, Amfa by Fadia. Je vous invite à liker ma page Amfa by Fadia, ma page YouTube Amfa by Fadia, et je vous invite à aller vous abonner à ma page. À liker ma page Amfa Beauty, qui est ma page commerciale. Je vous invite à vous abonner à ma page Amfa by Fadia, qui est ma page YouTube. J'invite tout le monde, partagez cette vidéo. Que tu m'aimes, si tu m'aimes, moi je t'aime. Tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. L'essentiel, moi je t'aime. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde entier. Je vous aime, je vous adore. Ok, bye, ciao.